nous avons clairement deux types de patients. Nous avons des patients qui reviennent directement de la réanimation, qui sont des patients qui ont des complications d'une réanimation prolongée. Ces patients sont très souvent trachéotomisés, ils ont une perte de la force musculaire et ont besoin d'une rééducation très prolongée. À côté de ce type de patients, il y a ce qu'on appelle les Covid longs, qui sont des patients qui ne sont pas en situation critique, mais qui vont présenter pendant plusieurs mois des séquelles du Covid. Ce sont parfois des séquelles à type de fatigue importante, à type de dyspnée, de difficulté pour respirer au long cours, et parfois, assez bizarrement, de troubles cognitifs, c'est-à-dire de problèmes de mémoire, de difficultés de concentration. Donc, il y a beaucoup de travaux sur ces Covid longs. Nous participons, nous, à une étude nationale qu'en fait, qui confirme l'impact du Covid sur des symptômes jusque-là non soupçonnés, quoi, en fait. C'est loin d'être une simple grippe, très clairement, quoi.